Yo les scènes, bienvenue sur G-Connection. On se retrouve avec Cupcake. Bah, c'est le jeu que vous connaissez, hein, c'est celui-ci. Ouais, je vais mélanger mon chocolat au lait. Attendez, parce qu'il apparaît pas du tout. Ouais, il y a un bug, ouais, voilà. Je mélange mon chocolat au lait. Ouais, tu vas tout faire déborder. Ouais, ouais. Qui c'est qui veut boire dans ma tasse? Ouais, ouais, voulez-vous boire dans ma tasse, jeunes gens? Ouais, on est appauvris, on est des victimes et tout, ah ouais, tout. Notre RSA il tombe plus. On s'est fait frapper et tout. Ouais, bonjour à tous, je suis, comme qui dirait, un réveil matin. Good time to f***. De bon matin, ça fait toujours plaisir. I just added an upgrade on your je sais pas quoi, parce que t'as passé la phrase. Voilà, donc c'est en fait des petits bonhommes qui nous parlent pendant que je replace le micro. Il dit tes aéroplanes sont maintenant équipés avec des mini-bombes good. Que tu peux switch avec ton arme quand tu veux pendant la bataille. Ça fait plaisir. On va aller voir qu'est-ce qui se passe derrière le rideau. Bah on peut pas en fait. Mais je m'en fous de Wadaya pyjama là. Pourquoi il veut que je me mette en pyjama ce matin? Est-ce qu'on peut passer là? Sugarland. Bah vas-y, simple, parce qu'on est des merdes. J'ai quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires C'est quoi ce stage? On m'avait dit si vous faites tout en régular, vous irez pas loin. Ah ouais? Parce que je sais pas, apparemment ça fait pas avancer le jeu, j'ai pas compris. Ah mais on est des merdes déjà en régular, il y a une... Ah en simple tu veux dire? Ouais. On est déjà des merdes en simple, il veut qu'on fasse les trucs en régular lui. Ressuscite-moi parce que je suis un peu mort en fait, j'ai pas fait attention au jeu. Alors le micro j'essaie de le mettre de manière bonne idée, mais moi j'ai l'écran devant moi. Ça va casser les couilles. Ou alors je me recule. Si vous êtes fan de micro, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Micro pénis, tout ça. Ouais, je suis une brougnasse, moi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'envoie un Pac-Man. Pac-Man va te latter la gueule. Et je t'envoie mon fiston aussi avec son épée, là. Comment ça, tu l'as dégommé? Trouve ça impardonnable. C'est le bonbon qu'on suçait, là, la couille de mammouth, quand on était gosse, là. Ah ouais, c'est couleurs. Ça, tu suçais des couilles quand t'étais gosse? C'est la couille de mammouth. D'accord, bon, je remonte mon froc et je lui tire dans la gueule à cette. What? Une gaufre et tout. Ça dépend. je te tire dessus. Bon, alors, faut que je retrouve le gameplay parce que c'est pas évident à jouer à ce jeu, en fait, si vous regardez bien. Genre là, j'ai, comme qui dirait, décédé. Difficile, hein. Ouais, on est dans le... Mais on apprécie le décor à la... Cartoon. Hansel et Gretel, là. C'est trop... Il est trop beau, ce jeu, franchement. Il y a un suppositoire géant avec une grosse mâchoire qui veut ta peau. Apparemment. I've really like sugar and the battle begins, hein. C'est vrai que c'est le mot de... C'est le, comme qui dirait, le... Pas le mot de la fin, mais... Je tire dans les gueules. Il est chiant. Là, je deviens bon, là, c'est... Je dis ça, mais... Wouah! Ultra Instinct! Migaté Nobuku, le gars! Migaté! Ah, fils de chien! Je suis un biscuit! Je vais te tirer dessus! C'est une armoire ou c'est un biscuit? Je passe. Bah, c'est une gaufre, non? Alors, faut faire gaffe parce que maintenant, ils nous envoient des ennemis en dessous. On les esquive, évidemment, ils nous envoient des putains de garnements. C'est chaud quand même, on est en simple... Ouais, croyez-le ou non, mais c'est super difficile. C'est qui ce bâtard? Mais comment on fait pour l'esquiver? Mais c'est qui lui? Il sort d'où cet enculé? Mais j'arrive pas à l'esquiver. Il est obligé de monter sur le truc en fait. Eh, je peux disparaître? What? Je te jure, je peux faire le Shunkaido, le déplacement instantané. Mais t'as fait comment? Je vous jure. Je fais ça, bim, je disparais. Toi. Tu fais comme ça. Hop, Naruto. Qu'est-ce que t'as fait? Triangle. Oui, j'apparais de l'autre côté. Ah, Sokka. Ah bah là, ils sont morts là maintenant, je vais tout le temps gagner. Je peux plus mourir avec ça. À mon avis, ça te nique des barres ou un truc comme ça, sinon ce serait facile. Faut quand même pas. Ça finit ce truc. Et bim, je l'ai fait exploser avec mon attaque spéciale. C'est un poussin qui va sortir. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, j'avais pas vu. Merde, t'es où, bâtard? Merde! Oh, oh non! Et on arrive même pas à. Putain. Et ils switchent les ennemis, hein, c'est plus les mêmes forcément. Ça dépend en fait, ça alterne. Lui, je l'aime pas. C'était sûr! Puis tout à l'heure, il fait ça. C'était sûr qu'il allait tomber droit comme une flèche. Comme là. Quoique maintenant que tu m'as appris l'esquive, il est bidon à esquiver. Tu réussis à pas me faire toucher. Tiens, mon esprit. Ah ouais, mais d'accord, ok, j'ai compris. Il y a une distance à respecter et si tu vas pas aussi loin que la distance, tu te fais toucher. Ah! Wouah! C'était chaud. Xotare. Alors pour tous ceux qui sont pas très familiers de la culture japonaise, hein, qui débarqueraient sur la chaîne, y a des mots japonais qui fusent comme ça. Xo, c'est pas très poli. On avance. Petit à petit, on crante. Ouais, ouais. Alors c'est un beau jeu qui rappelle les Disney des années 30. Si vous connaissez pas, ça s'appelle Cuphead, non pas Cupcake. Et honnêtement, on s'éclate dessus, bien que ce soit super difficile. Mais quand je dis super difficile, c'est genre super difficile. Ouais, c'est clair que c'est des jeux qui te prennent le chou vite. Si tu vois les jeux difficiles habituels, bah celui-là, il est...
C'est-à-dire le niveau 6, le niveau simple, c'est le niveau difficile d'un jeu normal. Il est reconnu comme l'un des jeux les plus difficiles jamais créés. Ah ouais? Ouais. Même Dark Souls, qui est un jeu hyper compliqué et reconnu comme compliqué, beaucoup disent que Cuphead, il est... Il l'enclut, c'est ce que t'es en train de dire. Il est quasi, ouais... Pour rester poli, évidemment. Toujours la politesse, oui. Je dis ça. Il est quand même plus poli que certaines chaînes. Ah, je suis mort là-bas. Ah, Majin Buu-ya. Oh, je me suis fait avoir par un suppositoire en buvant. Pas habilissable. C'est vraiment chaud, on n'arrive pas à aller plus loin que deux tiers et... Allez, on arrête de faire n'importe quoi. Je te mange tes bonbons qui sont dans sa tête. What? Je vais dire, hein. On avait réussi le stage quand on avait sorti une nouvelle chanson la dernière fois. Courir et tirer. Est-ce que tu crois qu'on devrait sortir une nouvelle chanson? Un nouveau tube. Bon, Jean-Noël, c'est pas un parcours pour toi, ça. Ça, c'est le parcours qui fait fuir les diabétiques. Rien qu'à regarder le parcours, normalement, tu ne dois pas te sentir bien. Bois un jus de raisin, frère, parce que... Là, c'est chaud. Mets des bonbons partout. Putain, j'ai le nez bouché. Enfin, vaut mieux que ce soit le nez qu'autre chose. Hein. Et bim! En fait, ce qui est chiant, c'est les petits... Les petits trucs à esquiver. Le boss qui esquivable, mais... Je me suis sacrifié. Tu vois le sacrifice de Vegeta dans DBZ, bah c'est pareil, c'était mieux. Je fais preuve de trop de skill là depuis à peu près quelques secondes. Pourquoi tu t'es transformé en super tasse? Il se passe quoi là? Je sais pas compris si c'était pas ça. Tu t'es transformé en super tasse de l'espace, il y a eu un truc là. Pas trop mal putain. Ah zut, il s'est pas téléporté du bon côté. Ah, après, on n'est pas forcément obligé de le toucher, de le tuer en fait, la petite crotte, une fois qu'elle est passée, qu'elle a fait son chemin. Elle revient pas. T'as vu la petite crotte là. Boum. Je veux tout esquiver là, mais faut avoir l'ultra instinct pour réussir ces stages en vrai. Ah! Foiré! Tu vois, je devais esquiver la crotte juste en bas et sauter en même temps. Ah, et on s'approche. Moitié. On commence à maîtriser le Migaté no Goku. On commence à devenir un peu meilleur. Vous allez voir la concentration sur nos visages normalement quand ouais, on aura un retry. Je suis pas d'accord. Mais what? Tu m'as ramené? Ça servait à rien. Je vais mourir dans la seconde. J'ai gâché mes vies. Voilà. Je suis une boîte de bonbons. Ne me dévisage pas. Eh, elle te fusille derrière là-bas. T'as vu qu'elle envoie des nuages, cognasse. Et du coup, tu te transformes en super tasse. Et tu lui mets des trucs dans sa grille. Ce qui m'a semblé, ne vous méprenez pas, c'est ce que j'ai observé à l'image. Tu lui sacs sa grille, ça fait quoi? It's a Knuckle! Grade? Ouais, c'est bien, on est content. C'est plus, ouais. Okay, ça va. Je crois que c'est la meilleure note qu'on ait eue. C'est ouais, plus. C'est vrai. Et on a réussi à le passer quand même, frère. Parce que d'habitude, on est déguisé, on est d'accord. Rappel Black Sugar! Qu'est-ce qui elle veut, Pingu? You can't catch me unless you take a shortcut. Tu peux pas m'attraper tant que à moins de prendre un raccourci. D'accord. That's some punk kids did last week. C'est ce que des ont fait la semaine dernière. Je suis pas sûr que ça. C'est à peu près ça. C'est la seule voix qu'ils ont pu emprunter pour essayer de me battre à la course. D'accord. Cela dit, peut-être tu pourrais me montrer où sont les raccourcis, parce que moi je sais pas où ils sont. Mais j'en sais rien, t'es raccourci où ils sont, putain, les connes. Oh, j'ai un courir et tirer encore. Bah, faut pas que je sois gêné par ce putain de... De toute façon, on va crever, on est d'accord. Tu me ralentis. Vas-y, viens ici, toi. Viens ici, on s'en bat les couilles de lui. Voilà, merci. Putain, mais nique ta mère. Viens ici. Jean-Jacques le trampoline, viens ici. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Avec ouais. Enculé. C'est un parcours, je pense pas qu'il est faisable à deux. En fait. Tu me laisses Jean-Jacques. Jean-Jacques est mon ami. Jean-Jacques, fils de chien. Jean-Jacques, je t'attrape, je te... Je te hague.
Jean-Jacques. Jean-Jacques au pied. Putain. Ouais, je suis au-dessus aussi. Heureusement que je peux compter sur Jean-Jacques. Qu'est-ce que c'est ce... Cette... Sachez qu'il y a des éléments du décor qui nous... Clic-clic. J'étais à la moitié, mais... Enfin, j'étais à deux tiers. Non, pas à deux tiers, j'étais à un tiers. Enfin, j'étais pas là. Tort qu'il va me ralentir, le con. Voilà, merci Jean-Jacques. Merci, tu as compris comment ça marche. Le petit dans la merde, dit derrière. Le petit derrière. Ouais, mais tu es coincé, tu peux plus. Oui. Jean-Jacques, tu vas le chercher et puis tu te mailles le cul parce que je sais pas que ça fout. Mais je suis mort du coup. Mais tu es mon personnage. Jean-Jacques le trampoline. Donc là, vous venez d'assister à un truc incroyable, c'est que à cause de ces conneries, qui étaient trop lents, le mec est trop lent. Vous savez, c'est comme quand vous avez un pote. Je suis pas trop lent. Comment dire ça gentiment. Statistiquement, j'ai fini plus de tâches que toi. Qui vous ralentit, qui court derrière et que et qui va se faire bouffer et que. Oh là là. C'est exactement ça. Hey, il est chaud. C'est comme dans la vraie vie, y en a un qui court plus vite que l'autre. Mais est-ce que c'est celui qui court le plus vite qui va le plus loin? That's the question. Bah, vu que je suis mort à t'attendre, logiquement, non. C'est un petit problème, comme là, exactement ce qui vient de se passer. Vu que, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'écran s'arrête à un moment donné. Tant que l'autre a pas passé sa tâche. Mais ta mère, ballon, va. Du coup, ça me met dans la merde. Donc du coup, c'est un parcours à faire tout seul. Parce que si vous êtes à deux, le deuxième, il va vous décaler l'écran, vous allez plus voir où vous êtes. Et vous allez mourir comme une grosse merde. Prends le coin en bas. Y'a pas des cuvettes de chiottes. Je vais y arriver à sauter là. Ta mère, p***. On va y tirer. Oh, nique ta grand-mère le bol. Je vois qu'on arrive ici, on n'a plus qu'une vie. Comment tu vas aller plus loin? C'est impossible à faire, je pense, à deux. C'est pas cool. Sérieusement. Attention au ballon qui déclenche le truc. Non, c'est le ballon qui déclenche cette merde. Putain, comment tu montes là? Tu tires, faut les shooter. Ouais. Tu vois, il y a des sorts supplémentaires qui apparaissent quand il y a deux players en fait. Mais pourquoi j'ai perdu 3 vies d'un coup? Sérieux? Il doit y avoir des ballons qui détruisent une vie, des ballons qui détruisent 2 vies, d'autres 3. Je sais pas parce que j'ai tout perdu d'un coup. Fait penser à une musique de Mario World. Ouais. Alors là, faut que je fasse ça intelligemment. Faut que tu les shootes, faut que tu lâches, tu maintiennes la gâchette et. Faut se mettre là. Tu passes à travers. En fait, tu shootes tout, tu te mets là, tu te re-shootes, après tu peux passer là. On va essayer la stratégie, on va essayer de s'attendre, voir si jamais il y en a un d'eux qui est mort. C'est une stratégie de merde. D'accord, je me fais toucher du début par le magicien, d'accord, ok. Jean-Jacques, tu me refais un coup pareil, je te lâche dans un lac. Mais... Wow. Bah oui, y'a plus de cuvette. Comment tu veux... C'est ça que je comprends pas comment tu passes. Tu sautes, t'appuies sur triangle pour te téléporter peut-être. Ah, c'est vrai qu'il y a ce... Quand tu fais saute, tac. Y'a pas le rush aussi pour dasher. Bon, en fait j'ai l'impression que notre rush il s'est transformé en déplacement. En téléportation. Tu vois, regarde, tu sautes en avant, tac tac, on va aller loin en fait. Jean-Jacques vient ici. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Voilà. Pas, j'ai fait ton truc de triangle, j'ai foncé dans une statue. En fait, il faut virer toutes les statues et ensuite il faut le faire. Et ça me paraît quelque peu compromettant. Un truc intelligent, Jean-Jacques, que je puisse avoir la pièce. Eh, va là-bas, Jean-Jacques, là, putain. Bon. Il était violent, je suis revenu, bâtard. Je t'ai ressuscité. Moi. Qui t'a demandé de me ressusciter? Oh, j'étais passé. Je suis con, les ballons roses peuvent t'aider à sauter. Ouais, tous les éléments roses. Bon, on est arrivé à la moitié. En luttant, mais... arrivé à la moitié. Punaise, là, on s'est vraiment fait avoir comme des glands. On aurait pu partir avec... À cause de Jean-Jacques.
Moi, salut, je suis lutin, moi. Je suis lutin fracasseur. Ouais, c'est bon, tu peux... D'accord. D'accord. Je t'ai pris une de ces déferlantes. Sachant que je l'ai fouetté, hein, tu vois, parce qu'on peut fouetter les trucs roses. Et en fait, je me suis fait qu'un. C'est pas l'attaque de Kefla, ça. C'est ça. MTM, Jean-Jacques. Aime bien TM, Jean-Jacques. Mange tes morts, Jean-Jacques. Mange ton grand-père le mort, Jean-Jacques. C'est Pinocchio qui s'y met. Salut, je suis Pinocchio, je suis Pinocchio. Il m'a niqué ma planche. Je l'avais esquivé, mais il m'a niqué ma planchette, suisse de... Les run and gun, c'est vraiment... Tu te fais avoir par, par leur explosion, quoi. Ah ouais? Ouais. La merde, en fait, c'est un truc. Et si je détruis Jean-Jacques? Je suis à deux doigts de détruire Jean-Jacques. Mais... C'est soit on détruit Jean-Jacques, soit on détruit la manette. On vaut mieux détruire Jean-Jacques, je pense. Ce serait bien d'arriver à la fin du de sortir du chapiteau sans se faire... Ouais. Sans se faire toucher. On va nous voir rager, pareil. On va te mettre en plein écran. Woodied. Casse les noix, ce stage-là. Mes noix dans ton cupcake, là. Courir et tirer, courir et tirer, courir et tirer. Moi, j'aime courir. Courir et tirer, courir et tirer. S'il faut faire que ça, ça devrait pas être compliqué. Ouais. Moi, je mets mes doigts, moi, je mets mes doigts, moi, je mets mes doigts dans ton cupcake. Moi, je... Mais nique. Le vampire là, le vieillard avec ta vieille stache. Ta stache, je la prends, je l'arrache et je la colle sur un sur le facteur qui me ramène pas mon colis. Ça la vie et je suis mort. Vous avez déjà joué aux Ninjas quand vous étiez petit? Question. Vous avez déjà joué au docteur quand vous étiez petit? Qui a joué à touche pipi parmi vous dans les commentaires? N'hésitez pas à nous lire, ça nous intéresse pas du tout. Comment on a fait touche pipi là? Sérieux? T'as fait touche pipi toi? J'ai bien fait touche pipi. Mais... bien touché sa touche. Hein. Ah, qui t'a fait touche pipi? Raconte-nous, c'est une anecdote. Elle se reconnaîtra peut-être. Vas-y, touche pipi avec qui? Oh putain, ta mère, Miguel. Écoutez, moi je vous propose de découvrir qui a fait touche pipi dans le prochain let's play. Dans le prochain let's play? Bah ça fait déjà 35 minutes. Ah ouais, et qu'on n'a pas passé ce stage. Et on n'a pas passé ce stage. On est des merdes en fait. C'est par solidarité, je suis revenu en arrière. T'as vu. Mais ouais, j'ai fait touche pipi. Hein. Tant mieux ça. C'était bien. C'était bien. C'était bien. C'est genre le gars, il y a des souvenirs. Bah après, ouais. J'ai l'impression. J'étais en primaire. Tu vois. Bon, touche pipi, ça veut pas dire qu'il a mis le sgeg. Non, ça veut dire qu'il a. Ça veut dire. N'importe quoi. Mais la touche pipi, à la bonne époque. Jean-Noël, n'hésite pas à nous dire aussi si toi aussi t'as fait touche pipi. Et vous aussi, cool. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous avez fait touche pipi et si vous vous souvenez de son prénom. Auquel cas, bah, petit commentaire, ça fera plaisir. On se reconnaîtra, ça lui fera toujours plaisir. Ah! Je sais pas, moi! Ouais! Ah, une cuvée du chiotte, moi, ouais. C'est impossible à passer ces trucs-là. En fait, tu fais une fumée, puis tu sautes au-dessus, c'est ça? C'est le même truc qu'avant, quoi. C'est le même dash, avec les touches directionnelles, on est d'accord. Moi, il y a la planchette de chiotte qui m'a niqué, je veux pas dire. Évidemment, à la fin, le boss, qui lâche des croquettes. Des croquettes interstellaires. Qui était nul, en fait, ce boss. Putain, il est magnifique, ce jeu. Salut, je suis un bretzel sautilleur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que t'es diède avec un bout de vomi qui t'a été jeté à la gueule. En fait, pour avancer vite, même dans le truc des ballons, je saute, je fais fumer, je saute, je fais fumer, je faisais que ça. Et j'esquivais juste le ballon au moment où il était là. Tout à l'heure, ça m'a permis de sortir de là avec 3 vies. Double KO, ça s'appelle. Double knockout. C'est comme des knackies, c'est pas vrai. Évidemment, faut que je saute sur le mauvais truc, moi. Et voilà! Putain, c'est vrai que... Non! On était pas mal, là! On avait enfin réussi à synchroniser les mouvements, là. Les mouvements instinctifs. C'est la maîtrise des doubles mouvements instinctifs. C'est ça. Cet enfoiré, il lance des coups de chevrotine et tout. En fait, la gestion du dash devient prérequis, là, dans le stage.
En fait, dans ce stage, on l'a découvert que tardivement, mais heureusement, Jean-Nou, il vous a fait un bon montage, parce qu'on est sur du prérequis, là. Et quand je dis du prérequis, je veux dire de l'obligation, en fait. Et quand je dis de l'obligation, je veux dire de la nécessité. La nécessité d'appuyer sur triangle, sinon tu te fais calmer. Ça devient beaucoup plus bidon une fois que t'as découvert le truc. Ouais. Et quand je dis bidon, je veux dire difficulté à peu près correcte, quoi. Donc on passe du mode extra hard au mode hard. C'est ça. Donc pour l'instant, on est sur le domaine de la facilité des concerts, quand on va pas se mentir. Comment je me suis sacrifié pour toi. Mon bonhomme. Mon bonhomme. Ressuscite mon bonhomme, toi. Hey, bonhomme, monsieur baby. Je crois qu'on va quitter la vidéo bientôt. Ouais, bah on va là maintenant. On va faire là maintenant. Là maintenant. Alors qu'on n'a pas réussi. On va voir. Ça serait partir sur une défaite, non. On part jamais sur une défaite, non. Ta mère, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Tu m'as laissé de l'autre côté du mur, Jean-Jacques. On te pardonnera jamais. Bon, on va quitter maintenant parce que j'en ai marre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas ça nous a fait super plaisir, et je suis sûr et certain qu'on va réussir ce parcours parce qu'on est à ça. On est à ça, on a compris comment ça marchait maintenant. N'oubliez pas le triangle, n'oubliez pas de nous dire aussi qui a joué à touche pipi dans les commentaires, et puis on se retrouve très vite sur G-Connection, il y a plein de trucs. M'attendez. Plaisir.